Bonsoir à tous. Ce soir ici là avec un nouveau tuto pour vous montrer ce que vous devez savoir avant de vous lancer la programmation et au déblocage des téléphones Android comme les téléphones à clavier touche. Voilà, maintenant ce que vous devez connaître avant de vous lancer, et ce sont les processeurs. J'avais fait une vidéo dans une autre chaîne où ça parle de Lucel Infinix quelque chose boss. Vous pouvez connaître le procès directement. Ou bien aussi, vous pouvez lancer MiracleBoss, Root Info, lui va lire les informations sur le téléphone. Maintenant, si vous branchez que le câble, que si vous branchez que le téléphone s'allume automatiquement, c'est que ce n'est pas un téléphone à processeur MediaTek. Voilà, ici. Maintenant, si vous connaissez, à présent, vous connaissez le processeur, c'est-à-dire quoi, MediaTek, Qualcomm, Spreadrum, si vous connaissez, vous pouvez à présent lancé sur notre logiciel de déblocage MiracleBoss. Il y a NCK, MTK, Android, il y a aussi Ultimate, il y a InfinixBoss, tous ces logiciels ont des cracks. Donc, je vais vous laisser tous ces différents liens dans la description. Ok, ce que vous devez savoir aussi, ce sont les touches bootkey. Les téléphones à processeur MediaTek n'ont pas besoin de touches bootkey. À l'exception, les téléphones à processeur Spreadrum, ils ont forcément besoin d'une touche bootkey pour que le téléphone puisse booter sur le logiciel. Vous voyez, voilà. Par exemple, je prends un téléphone à processeur MediaTek, lui n'a pas de problème. Dès qu'il lance la programmation le déblocage de iCloud, compte Google, vous pouvez directement brancher et aller sur Extra. Dans Extra, vous pouvez brancher directement le câble FRP Remove et le téléphone va booter et supprimer le compte Google. Vous voyez. Maintenant aussi, pour le téléphone à le téléphone à processeur Spreadrum, vous avez besoin de la touche bootkey. La touche bootkey, c'est quoi? C'est la touche qui va permettre au logiciel de reconnaître le téléphone. C'est vrai, vous avez déjà installé tous les pilotes. Je vais laisser le lien directement des pilotes dans la description. Une fois les pilotes installés, vous pouvez à présent appuyer la touche bootkey et brancher le cordon, c'est-à-dire le câble. Après le branchement, vous allez conseiller de votre propre yeux le changement sur le logiciel. Le logiciel va détecter automatiquement qu'il y a un périphérique connecté et il va commencer à booter sur le logiciel. Vous voyez? Donc ici, ces différents bootkeys vont de le téléphone à clavier touche jusqu'aux Android. Pour les téléphones à clavier touche, regardez un peu en haut. Regardez un peu juste à ma droite, je vais laisser les différentes touches de bootkey. Parce que les touches bootkey varient de téléphone en téléphone. Mais la majorité des téléphones aujourd'hui, ça marche avec touche menu et touche d'appel. Vous maintenez les deux ensemble et vous branchez le câble. Automatiquement, le logiciel reconnaît. Si ça ne reconnaît pas, vous changez la touche bootkey. Puisqu'il y a le 0 qui est là, la touche coupe appel. Il y a la touche aussi retour qui est aussi une touche bootkey. Je vais laisser toutes ces choses citées en haut de l'écran. Et vous allez constater de vos propres yeux. Parce que j'ai l'impression que la majorité des gens aujourd'hui, quand ils veulent se lancer au déblocage des comptes Google, ils n'arrivent pas à se retrouver. Voilà, donc si je vais m'arrêter là, je ne vais pas pour un autre tuto. Merci.